À la base, c'était le foot que je voulais faire. J'ai fait des essais à Camon et j'en ai fait d'autres à Montières. J'avais même pas assez d'argent pour me payer des crampons. C'est bizarre parce que je m'en rappelle comme si c'était avant-hier. En plus de ça, je faisais que les entraînements car le président du club n'arrivait pas à valider ma licence. Je me tapais 30 minutes à pied pour aller au foot même si j'avais une caisse. J'avais pas assez pour l'essence. Je pensais vraiment que j'allais percer, je pensais que j'étais bon. Enfin, j'étais pas mauvais mais pas non plus très bon. En plus de ça, j'avais toujours pas ma licence depuis 6 mois. Donc j'ai décidé de laisser béton. C'est là que je suis allé dormir chez mon cousin SDM. C'est marrant car aujourd'hui il a percé dans le son. Il a percé dans la zik et je m'y attendais pas trop. Car à l'époque je me rappelle pas qu'il était vraiment bon. Bref, je le vois rapper, du coup ça me donne des idées. En plus de ça j'ai compris que dans le foot j'étais grave lessivé. Du coup je me suis dit que je vais laisser tomber le ballon rond. Je vais me consacrer à la zik, maintenant c'est décidé. Par ce chapitre t'as vu la naissance de David O'Keefe. Je rappais pas encore pour Dieu, je chantais pas pour Christ. Je pensais qu'à gérer v'là les meufs et gagner full de disques. Mais malgré ça Dieu m'a permis de faire mon premier clip. Et je les bédiche.